Rebonjour pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur cette chanson de Gaëtan Roussel, Tu ne savais pas. Donc extrait de son dernier album. C'est du Gaëtan Roussel tel qu'il compose habituellement, c'est-à-dire des accords relativement simples, un rythme assez insistant et hypnotique. Si on peut dire, et puis voilà, il fait une boucle d'accords et il fait tourner sa boucle, et les paroles sont, je pense, dans cette chanson là beaucoup plus intéressantes que la musique. Pour commencer, bien sûr, vous l'aviez remarqué, capot que troisième case, pour être dans la même tonalité que lui. Il y a une version acoustique de Gaëtan Roussel, il a dû faire ça dans une station de radio récemment, donc on la trouve en vidéo sur les sites de vidéo. Vous pouvez aller voir, il joue plus vite et il ne fait pas exactement le même rythme que celui qu'il y a dans le disque, donc, et il y a beaucoup de piano en plus, donc c'est pas forcément intéressant. Voilà, ça peut être agréable à regarder simplement. Donc, on a 1, 2, 3, et on aura 4, 5 accords en tout. Hein. La boucle elle-même, la boucle que j'ai appelée sur la partition A, elle est composée d'un mi mineur, deux doigts, un do. On fera attention de ne pas jouer la grosse corde, parce qu'on va jouer beaucoup sur les basses, j'expliquerai tout à l'heure pour le rythme. Et donc on va éviter de jouer la grosse corde qui n'est pas très très jolie. On essaye de commencer à la deuxième corde. J'expliquerai ça tout à l'heure. La mineur. Et on revient sur le mi mineur. On a deux mesures de mi mineur au début, deux mesures de do, deux mesures de la mineur, et encore deux mesures de mi mineur. Ce qui fait que comme on fait ça en boucle, le A, on va donc avoir les deux mi mineurs de la fin de la boucle et les deux mi mineurs du début de la boucle suivante. Donc on va en avoir quatre. Hein. Faites bien attention à ça. Le rythme maintenant. J'ai commencé dans la démo à faire le rythme qui est exactement celui qui était écrit sur la partition. Et après, j'ai rajouté quelques petites choses qu'on entend dans la chanson, dans le disque, et que fait Gaëtan Roussel également sur la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais d'abord vous montrer le rythme tel qu'il est écrit sur la partition. Donc on va avoir bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 bas. Comme ça, lentement, ça ressemble pas à grand chose. En fait, on a 8 temps sur cette mesure de mi mineur, par exemple. On a 8 temps, on va les séparer en 3 plus 3 plus 2, ce qui, à mon avis, doit faire pas loin de 8. On va décomposer cette mesure de 8 temps en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. D'accord ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ce qui nous donne sur la guitare. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, bas. Je les enchaîne. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, bas. Si je compte les temps, ça va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. J'ai pas vraiment besoin de le faire plus lentement, je pense que cette vitesse-là, c'est un mi mineur, le rythme est quand même pas très très compliqué. Alors, ça c'est ce que j'ai écrit, et après j'ai rajouté des petites parenthèses, parce que la première flèche, enfin la deuxième flèche qui va vers le bas, celle qui est entre parenthèses sur la partition, on n'est pas obligé de la faire. Ce qui va nous donner bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, 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 1,
Ça, c'est vraiment ce qu'on entend au début de la chanson. Après, il y a une petite technique quand même pour l'interprétation. On va jouer surtout sur les cordes graves et on va en même temps qu'on va frapper les cordes avec le médiator. Ça se joue au médiator, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est quand même beaucoup plus facile. On va en même temps toucher les cordes avec cette partie-là de la main, en même temps qu'on tape sur les cordes, ce qui les étouffe. Vous voyez, je touche aux cordes en même temps que je tape dessus. Si je ne touche pas, ça donne ça. Et ça résonne trop, donc on va étouffer. Sur mes cordes avec cette partie-là de la main à chaque fois que je descends mon médiator vers le bas. D'accord ? Je vais faire la boucle A de cette façon-là. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Simple, celle qui est écrite sur la partition. On rencontrera dans le courant du morceau, après avoir joué 1, 2, 3, 4, 5 boucles A, on rencontrera un pont instrumental qui est exactement sur le même rythme, mais avec d'autres accords. Vous avez un Ré majeur, un Mi mineur, un Ré majeur encore, la boucle. La boucle A qui va être jouée à nouveau 5 fois, dont 2 fois instrumentale à la fin. Voilà pour la structure du morceau, les accords, la rythmique la plus simple. Maintenant on va voir les petites choses que Gaëtan Roussel rajoute, les petits effets qu'il rajoute pour l'interprétation. Donc c'est des petits hammers avec le Mi mineur. Alors c'est toujours sur la corde où il y a un doigt le plus haut sur les cordes, pour être plus simple. Pas tout à fait. Non, alors je recommence. Pour le Mi mineur, le hammer va se situer sur la deuxième corde, deuxième case. Donc on va jouer. On va mettre le hammer sur le 2, 3, sur le 1 et le 2 finaux à la fin. On va donc faire 1, 2, 3, 1, 2, 3,
un hammer 2, 1 hammer 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 hammer 2, 1, 2, 3. Voilà, pour le mi mineur, on fera pareil sur le do. Le hammer, on le fera avec le doigt numéro 2 sur la case numéro 2 également. Mineur. On le fera avec le doigt numéro 2 sur la case numéro 2, exactement pareil que pour le do, donc c'est la même corde, sauf qu'on est en position de la mineur. Et on revient sur le mi mineur et on refait les petits hammers aussi sur le deuxième mi mineur. Ce qui nous donne, je vais le faire doucement et après un peu plus rapidement. Ça nous donne. Voilà. Pour ce qui est de l'attaque avec le médiator sur les cordes graves, j'ai déjà expliqué pour l'histoire de la main qui tape en même temps, il faut que le médiator absolument attaque la bonne basse. Pour le mi mineur, il attaquera directement la grosse corde. Mais pour le do et le la mineur, il faut absolument attaquer la deuxième corde. Il faut éliminer un petit peu, le plus possible, votre grosse corde sur le do et sur le la mineur. Sinon, ça ne va pas être joli, on va avoir toujours ce mi qui bourdonne là. Alors effectivement, le mi est une note qu'on va retrouver dans tous les trois accords, mi, do et la. On entendra toujours ce mi, mais il ne faut pas qu'on accentue trop sur les cordes graves cette note-là. Donc, pour le do, ce qu'on peut faire, pour être sûr de ne pas la faire sonner, d'abord, bien sûr, l'attaquer avec le médiator sur la deuxième corde, mais c'est pas toujours facile, donc on étouffera par sécurité la grosse corde. Là, elle est étouffée simplement avec mon pouce qui remonte ici, et qui y touche, mais qui y touche sans appuyer dessus, bien sûr. Si je la sonne comme ça, c'est suffisant. Vous voyez, j'entends que ma deuxième corde. De même pour le la mineur, je peux laisser mon pouce qui touche la grosse corde, ici, par-dessus, pour l'étouffer. Et par contre, la deuxième corde, elle sonne très très fort. Là, je joue toutes les cordes, je ne fais pas attention à attaquer la deuxième corde, et pourtant, on entend la deuxième corde. On n'entend pas la première. Voilà. J'ai profité donc de cette chanson facile au niveau des accords, facile au niveau de l'interprétation, pour vous donner quelques petites choses en plus, pour donner un peu d'effet et puis faire quelque chose qui soit un peu plus personnel qu'une boucle de 5 accords qu'on va jouer en accord feu de camp, comme on dit. Là, on est sur des choses un petit peu plus compliquées, sans l'être trop. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à vous expliquer. Les petits hammers, c'est vraiment sur les accords de A. Sur le pont instrumental, on pourrait les faire, mais on les fera pas. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec cette chanson de Gaëtan Roussel. Bon courage !